Il a entré en ce pays. Oui, explique. Explique. Toi, tu aimes la pression, hein? Non, c'est pas pression. Ah, tu aimes, je sais pas. Non, parler français, là, c'est ça qui a... On comprend, hein? Moi, je suis villageois, comprends ton français. Voilà, parler, là, c'est ça, je m'arrête juste en une salle. Sinon, je n'ai pas dit, je ne peux pas parler. Moi, ils connaissent ce qui t'a fait, Kafadjie. Oui, c'est là. J'ai déjà ton dossier ici. C'est pour ça que j'ai dit à ton mari, vous pouvez aller dans ton village, de faire plaisir aux gens. Quand vous déposez alors que vous m'avez ramassé, faire rap spirituel. Permettez-moi ça au moins dans le village. Allez de maison à maison, maison et maison. Ah, c'est la reine. C'est pas ça? Tu manges seulement. Hein? Tu manges quoi? Les gens. Est-ce que l'homme est fait pour manger? Non. T'as tué comment ta fille là? Ma fille là. J'ai mis. Comment tu sais? C'est moi et moi tu joué. Ah, comment jouer? C'est ce que j'ai fait, j'ai dit. Je joue comme avec toi. Tu dis, c'est ce que j'ai dit là. C'est ce que j'ai fait là, c'est ça que j'ai dit. Et si tu mens, c'est pas il dit, tu mens. Donc si tu mens, vous voyez, tu mens. C'est quoi pour moi, ta monsieur? Pour moi, que j'ai mis là, pour moi, ça se réduit. Comment ce qu'on fait là-bas, c'est ça, je dis. Comment tu as fait? J'ai pris comment pour la porter, si elle a mis mon nom. Elle a eu ce qu'elle dit. Elle est là. Comment ça? Comment ça? C'est ça, je dis là. Je dis, j'ai mis comment elle. Comment elle s'est changée, elle est sortie. Et puis, elle a mis mon avis. Elle a sorti la tête vers où? C'est vers sa tête. Où ça? Vers sa tête. Sa tête. Mm-hmm. Et ça l'a tué. Mm-hmm. La pomme, là, c'est où? Comment elle s'est. J'ai jeté ça. Pourquoi tu jettes? J'ai jeté ça. Hein? On jette pas. Vous ne jetez pas votre truc. J'ai jeté d'abord. T'as jeté ça pourquoi? Mais quand j'ai jeté, pourquoi j'ai jeté? Oh, toi, tu utilises la corde là pour tuer les gens. Madame, je suis fatigué. Pardon. Toi, tu es assis. Moi, je suis debout depuis. Ça fait 4 heures du temps. Je ne suis pas quoi assis. Ça fait 4 heures et je suis debout. Non, tu peux t'asseoir. Je te respecte comme une mère. Tu peux t'asseoir, si tu es fatigué. Où est corne tu prends pour tuer l'homme là? Où c'est? J'ai fait ça. Corne là. De bélier là. Non, ça, je dis ça au village là, j'ai mis ça. T'as tué ta fille? T'as tué qui? Mon frère. Comment il s'appelle? Il s'appelle Dominique. Quoi Dominique? Les Français ou bien? Banti Dominique. Hein? Banti Dominique. Quoi? Banti Dominique. Banti Dominique. Qui encore? J'ai tué ma mère. Hein? Oh, tu chutes, tu as dit que tu n'as jamais tué. C'est ça, tout ça, il faut pardonner. C'est la honte. C'est ça ce qu'on appelle fatigue. Oui. Comment ça se fait? Tu as arrêté jusqu'à quand tu fatigué. C'est si il descend dans mon corps. Elle dit que t'as arrêté jusqu'à t'es fatigué. C'est ça, c'est là. Tu as une paysa? Fatigue. Oui. Tu as dit que tu t'as su tout à l'heure. Oui, comme tu as dit, j'avais mal bien. Oh, moi je suis fatigué. Et puis maintenant, tu me fatigues. Je t'ai posé la question, tu as tué. Tu dis non. Tu n'as jamais tué. Je suis étonné. Il dit, tu as tué 174 personnes. Je dis, tu n'as pas fait ça tout de suite. Tu n'as pas fait. J'ai fait.
Maintenant, tu dis, tu le connais. Donc, qui fatigue qui? C'est à toi. Tu me fatigues. Mm-hmm. Il ne fait pas du fait. Pardon. Demain, on a église. Il y a des gens ici, on doit écouter, les aider. Chanter, passer tout un temps avec toi. Oui, il y a 32 personnes là. Tu dis quoi? Non. 174 personnes là, t'as pas tué. Si on veut compter ce que tu as fait, ça va tomber 174. Délaisser quoi? Non, 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 délaissez quoi? Non. Chez moi, on parle. Je t'ai demandé tout de suite, est-ce que tu es prêt à parler? Tu ne me voyais pas, hein? Pas les pouvoirs, t'entends? Non, c'est pas le pouvoir. Non, je ne connais pas. Pas le pouvoir. Pas le pouvoir. Je t'allumer tout de suite. Voilà, c'est ça, je dis, avec toi, je ne peux pas faire le pouvoir. Mais tu connais. Voilà. Si tu as essayé. Non, non, non. Je ne peux pas faire. Si tu essaies, ton cœur va s'arrêter. Oui, je ne peux pas faire pour toi. Mon prophète, je ne peux pas faire pour toi. Mon bras, il faut oui. Laisser ce que tu as fait de dire. Parce que moi, quand il parle à toi, je vois autre chose. Je dis, voilà, il dit. Quand on se voit comme ça, quand même, tu sais que je vois des choses. Combien? Hein? C'est ça, il parle. Quand il ne voit pas, moi, il voit. Oui. Ah, c'est de ça que je suis en train de parler. Attends, tu te tends le millier, tu veux essayer. Parce que tu es en train de m'humilier, je veux le millier, tu viens de l'essayer. Hein? Tu veux m'essayer un peu? Non, non, mon prophète, il ne faut pas dire ça, pardon, pardon. Il ne faut pas dire ça, je ne peux pas faire ça. Même je suis sorcière, je ne peux pas te faire ça. Pourquoi? Non, 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 non. Mon prophète, il ne faut pas dire ça. Je pourquoi, pas pourquoi tu ne peux pas faire? Non, 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 je ne peux pas te faire. Pourquoi? Parce que tu es plus fort que moi. Ah. Je ne peux pas faire ça. Ah bon? Oui, mon prophète, je ne peux pas faire ça. Non, comment il va te faire ça? Comment je suis plus fort que toi? De toute façon, je te vois là, tu es plus fort que moi. Tu vois quoi? Jésus, là, Jésus est avec toi là, je ne peux pas faire ça. C'est pas toi qui dis que tu es baptisé comme fini. Oui! Bouge de sorcier. Je suis baptisé, confirmé, confirmé. Non, il n'y a pas de communion. Il a regardé, vraiment, vous les sorciers. On va toucher le haut-parleur. On doit être, là, c'est pour le haut-parleur. Ouais. Hmm? C'est pas malade, c'est pas toi qui es confirmé, là. C'est moi. C'est confirmé, non? Oui. Baptisé? Oui. Baptisé? Oui. Il faut dire. Je dis oui. Tu as quoi? Je suis baptisé confirmé. Et puis quoi tu fais là? Souvent dans la sorcellerie. C'est pas bon. Tu fais quoi dedans? C'est pas non, tu es baptisé confirmé, tu fais quoi dans la sorcellerie? C'est ça, je dis, c'est pas bon là. Quand je suis baptisé, Dieu m'a donné de ne plus faire ça, c'est pas il m'a. Stop, stop, arrête d'avancer. Stop, 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 stop. C'est pas toi qui as dit confirmé. Ah, c'est toi qui as dit ça ici. J'ai dit oui. Que comme tu es baptisé confirmé, tu n'as jamais fait sorcellerie. Maintenant, tu fais quoi dedans? C'est pas bon. Non, non, non. Vous prenez les gens, si les gens ne sont pas quand même, on ne peut pas les. Il faut comprendre les gens. Je ne suis pas en train de l'humilier, je suis en train de faire un travail. Si elle est fatiguée, elle peut s'asseoir. Il y a tout ça. Au-delà de ça, je vois une mère qui est en face de moi. Hein? Mais comme c'est mon travail qui demande ça, ça, il fait ça. Elle est libre. Elle s'assoit, elle est libre. Arabe, où tu as laissé le confirmé là? Pour aller tuer l'homme. Hein? Tu fais comment? On donne le visa? Non. Non. Toi, tu m'as rien comme ça, droit. Tu discutais, moi, j'étais rien.
Elle a dit, c'est ça, elle dit, pardon, là, je t'ai dit, moi, je t'ai dit, si mon appel finit pas. Hein? Je t'ai déjà dit, mon appel finit pas. Hein? Pardon, pourquoi? Pour ça que tu as menti, là. Oui. Ah, je ne laisse pas, oh. Il fait tard. Il est minuit, 00 maintenant. C'est ça? Deux minutes. Dimanche, tu as continué. On est d'accord? On ne peut pas dormir ici à côté de toi. D'accord. Hein? D'accord. Tu n'as qu'à envoyer le vis à la nuit là, ou bien? Non. Hein? Non. L'ambassade, il va donner visa. Non. Il dit quoi? Je dis non. Pourquoi tu ne veux pas mourir? Je ne veux pas mourir. Pourquoi? Je dis non. Je ne peux pas donner visa. Il faut me libérer. Tu vas aller te reposer. On dit, Père, à ton âme. Tu vas aller te reposer. Harry, vous tuez les gens, vous ne voulez pas mourir. Ton âme sera en paix, c'est ça? Tu veux? Visage. Bon, je vais te laisser réfléchir la nuit là, d'accord? Demain, on continue. Hein? Il y a qu'à dormir ici. Il y a qu'à dormir. Quand tu peux terminer? Je vais terminer. Attends, il y avait encore. Allons-y. Je ne veux pas m'étendre. Hé! Tu m'accuses? Non, je ne t'accuse pas. C'est moi qui ne veux pas te libérer. Oh, oh. Où est sa bouche? Il t'a donné le micro, c'est toi qui ne parle pas? C'est moi qui ne veux pas faire libération. Non. J'ai dit, madame, c'est moi qui ne veux pas faire libération. Non, non. C'est que tu fais, le diable là, tu ne veux pas. Non, on parle d'abord avant que le diable quitte. Elle veut qu'on parle, si la délivrance en même temps. Oh non, 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 pourquoi on arrive là-bas là? Pourquoi tu parles? Ah, tu veux que le diable quitte? Ah, tu dis rien. Non, je dis ce que j'ai fait. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il peut parler. Ah, pardon. Ah, si je parle, il te donne visa. Ah, tu prends la Jésus. Moi, c'est fini de vous. Que Dieu change votre identité, ce qu'ils ont mis dans ta vie, que ce soit les célibats, la pauvreté, la misère, que Dieu transforme, que Dieu te délivre. Nous prions ensemble le Seigneur. Tout le monde, prions le Seigneur. Inna wel yo, 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 Inna wel yo,
puissant. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. J'en profite pour une annonce. Je confirme notre arrivée à Rabat parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui me posaient beaucoup de questions. Le lundi, c'est le 6. La première délégation sera à partir du 6 à Rabat, c'est-à-dire au Maroc. Par la grâce de Dieu, moi, juste après le 6, je rentre sur le Maroc. Nous partons justement pour pratiquement 10 jours dans le but de prier pour les gens et vous délivrer dans le nom de Jésus-Christ. C'est une retraite spirituelle qu'on a l'habitude d'organiser ici. Il y aura déjà des entretiens. J'ai dit merci au frère Guiropol. Déjà pour les résidences, déjà il n'y a pas de problème. Il a déjà fait les papiers de ceux qui avaient besoin d'avoir de visa. Parce qu'il y a des pays tels que la France. Pour rentrer au Maroc, il n'y a pas besoin de visa. La Côte d'Ivoire et d'autres pays. Il y a d'autres pays africains. Ceux qui avaient besoin de visa, il a tout fait pour les aider. Amen. Nous serons de retour à partir du 22. Nous allons revenir le 22. Donc moi, je travaille toute la journée de demain. Je vais travailler toute la journée de demain jusqu'au soir. Je ne vais pas quitter ici quand je finis le culte. Le temps de recevoir tout le monde, je l'ai déjà fait une fois ici. Je vais recevoir tout le monde par la grâce de Dieu. Le lundi, je serai encore ici le lundi jusqu'au soir. C'est le mardi que je vais rentrer sur Abidjan pour préparer mon vol pour Rabat. Voilà, donc tout le monde sera servi. Ça, c'est important. Vous voyez que souvent, on fait des programmes et puis on a l'impression que d'autres choses arrivent. Parce que la délivrance, ça prend tout du temps. Il faut aller en profondeur et donc voici un peu toute la journée de demain, je serai là. C'est pour ça que quand tu es ici, il faut être patient. Et ça, si vous n'êtes pas patient, vous et moi, on ne va pas s'entendre. Parce que par moment, vous ne me mettez pas dans ma peau. Vous pensez que je suis infatigable. Or, demain, il y a culte. Quand j'ai dit aux gens tout à l'heure, je ne vous reçois pas, vous allez trouver que c'est un peu bizarre. Vous êtes assis, moi, j'ai fait plus de 4 heures de vous. Ça, c'est déjà quelque chose. Et non seulement ça, pendant qu'on fait des échanges, il y a des échanges d'énergie spirituelle. Voilà, donc c'est ça, vous devez comprendre. Si il dit, je suis fatigué, comprenez-moi. Or, demain, il y a un culte. Je dois aller préparer le culte. Et tout se prépare sur le plan spirituel. Dès que je vous laisse, je ne vais plus dormir. J'irai prier non seulement pour vous et pour le culte de demain. Donc demain, par la grâce de Dieu, nous allons démarrer le culte. Mais je vais recevoir, je serai au bureau, je vais recevoir tout le monde. Donc permettez-moi de rentrer chez moi. Ça, c'est important. Parce qu'il est minuit. Si je m'assois, tout à l'heure pour vous écouter, demain, on va vous libérer. On va vous libérer demain. Donc, permettez-moi de rentrer, de m'apprêter, venir demain. Et on va vous recevoir. Et vous allez rentrer tranquillement. Parce qu'en principe, nous devons libérer des personnes demain. D'autres personnes doivent rentrer. Mais le travail, là, c'est pas de l'amusement. On vient, il faudrait que quelque chose se passe. Que je sois en mesure de vous aider dans l'imposition des mains, de l'aide. Sinon, je peux vous prendre dans le bureau, faire la hâte. Ah, vous êtes venu ici pour que Dieu vous délivre. Amen. Vous voyez, ce n'était pas prévu. Ici, il y a toujours les imprévus. Il y a toujours les imprévus. On est obligé d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est comme ça le ministère. Ce qui a su beaucoup de patience. Demain, on aura l'occasion de vous recevoir. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. On va vous recevoir par la grâce de Dieu. Il est déjà minuit. Si je commence à m'asseoir, il va venir faire 4 heures du matin. Vous n'allez pas me voir le matin. Non. Je ne vais pas venir dans un culte où il chantait de son mérite. Je suis en train de les méchants. S'ils m'ont fléché, quand le prophète, son pouvoir est parti. Voilà. Or, pendant que vous dormez, moi, je suis en train de prier pour vous. J'ai la liste de tous ceux que je vais recevoir. J'ai ça. Or, je règle ça sur le plan spirituel. Or, cette rencontre-là, vous et moi, c'est la dernière rencontre peut-être. Il faudrait. Non, ça serait peut-être. Après cette rencontre, il faut que Dieu fasse des choses. Ça, c'est important. Voilà. Donc, que Dieu bénisse. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. C'est comme ça. Ma vie, je suis un prisonnier de Jésus. Que Dieu bénisse, que Dieu fortifie. Amen. On va essayer de prier. Vous connaissez fatigue, non? Oui. Ça m'a déjà pris. Amen. Je vais rentrer tranquillement, laissez-moi tranquille. Et puis demain, on va poser. Bonne nuit. Oui, on va poser. On se tient de bons fruits pour la paix. J'ai demandé au pasteur de prier. Juste 2 minutes, 3 minutes. Okay.